Monsieur le commissaire, merci de votre présence, de vos réponses. Et l'intérêt de ce débat, ça aura été déjà de montrer à quel point le Parlement européen et l'Europe en général est sensible à l'évolution de la situation en Arménie et dans le Haut-Karabakh. Dans vos précédentes interventions, vous avez dit que le maximum des pressions avait été mis en œuvre. Et dans la suite du débat, nous avons constaté que la pression des sanctions n'a pas été mise en œuvre et qu'elle reste à disposition. Le scénario le plus pessimiste que l'on peut avoir dans cette région serait une aggravation du conflit, un nettoyage ethnique dans la région du Haut-Karabakh, étant donné la supériorité militaire qui est celle de l'Azerbaïdjan sur le terrain. Est-ce que l'arme des sanctions est envisagée pour empêcher, pour prévenir surtout, une telle issue?